la première partie du mouvement, et là, opposition, Beethoven passe en ternaire carrément, il change complètement de rythme. Donc la flûte a le rôle de devoir faire entendre la nouvelle rythmique. Donc elle répète un rythme plusieurs fois comme un appel. Donc il faut que ce soit bien clair, bien net. Alors pas trop fort, on n'est pas dans quelque chose de lourd, de théâtral, magistral. Pas du tout, au contraire, c'est presque pastoral, c'est très léger. Alors pour faire ça, au lieu de faire ta 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 avec un détaché très très présent, même si on veut très bien entendre le détaché, on va l'alléger en faisant ta 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 ta. En fait, je fais ta ta la ta. On appelle te re se détacher, mais on ne fait pas vraiment un R. En fait, on fait un mélange entre R et L. C'est un peu comme quand on roule les R en espagnol. Donc, ça fait ta 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 ta. Je frôle avec ma langue le palais. Ça me fait un très petit détaché. Donc, on peut s'entraîner sur une note un peu moins difficile qu'un mi aigu. On va faire un sol médium pour ça. Donc on entend bien tous les détachés et à la fois j'ai cette légèreté. Donc après on s'entraîne sur un mi aigu, vraiment pas très très fort, hein, donc il faut bien soutenir, bien projeter le son. Et on garde ce détaché à chaque fois qu'on a ce rythme, ce qui va vraiment nous aider à rester léger. Ensuite, deuxième difficulté, on a des petites appoggiatures dans le thème, donc on va essayer de jouer d'abord le thème sans les appoggiatures, pour bien avoir le rythme en tête. Et après seulement que j'ai bien 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 en tête le thème, je vais rajouter les appoggiatures, mais peut-être une par une. Donc je rejoue juste le début. Léger, hein, très brève les appoggiatures. Alors la suivante elle est plus dure parce qu'il y a trois notes, donc on va déjà les faire une fois. Donc ça fait. Tiram. À toi de jouer.